Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo. Ce soir j'avais envie de parler d'un truc en fait, c'est que aujourd'hui, depuis que je suis un petit peu dans le domaine de la survie, dans le fait d'être un citoyen prévoyant, et je me pose d'énormes questions sur le survivalisme, sur l'effondrement économique, parce que bien que je crois, et parce que j'ai aussi des yeux et des oreilles, et je vois un petit peu ce qui se passe autour, et je ne pense pas du tout à ce que les choses peuvent continuer comme elles le vont, comme là où ça nous mène. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un réel problème, avec tout ce qu'on entend tous les jours dans les infos, dans les articles, on peut lire sur l'actualité, il se passe des choses extrêmement déroutantes quand même. Donc avec tout ça, je ne sais pas où est-ce qu'on va. En tout cas, on va droit dans le mur. Mais derrière, j'ai aussi une grande réflexion sur, avec tout ce que je lis sur les magazines, dans les magazines survivre, l'actualité du survivalisme, notamment aussi beaucoup les conférences de Piero San Giorgio, qui m'interroge quand même, puisque j'aime beaucoup ce personnage, j'aime beaucoup ses livres, hein, j'aime beaucoup le livre Survivre à l'effondrement économique. Je vous conseille vraiment de le lire, il est vraiment très intéressant. Et puis en 2011, et puis quand on voit l'année dernière, mois de novembre, les gilets jaunes, on peut dire qu'effectivement il y avait certaines choses qui étaient justes. Maintenant, est-ce que c'est pas par hasard que c'est arrivé? Là où je veux venir, c'est que je regarde beaucoup ces conférences de Piero, là où je peux en trouver, et c'est vrai qu'il est, il y croit particulièrement. Enfin, quand il parle de ça, on voit qu'il y a une certaine croyance. Alors, je ne dénigre pas, et puis il me dit lui aussi, il peut se tromper, il peut ne pas avoir raison, et il espère aussi que ça n'arrivera pas. En fait, au final aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il se prépare, mais c'est... Il y a aussi une certaine part de lui qui ne veut pas. Alors, quand je regarde ces vidéos, ces conférences, il y a une certaine réflexion qui m'interpelle, et je me dis, est-ce que c'est pas un phénomène de mode, ou est-ce que c'est pas un phénomène où ça fait un peu complotisme de croire en une rupture de la fin du monde, et surtout que... quand on dit le mot survivalisme aux gens, ils s'imaginent tout de suite, je crois à la fin du monde. Alors, ce qui n'est pas du tout le cas, une fin du monde, une vraie fin du monde, on a beau être survivaliste, je pense que s'il arrive quelque chose qui doit mettre fin à l'humanité, mais totale, et puis dans une seule catastrophe, survivaliste ou pas, on y passe tous. Ce qu'il y a, c'est que je me demande si, effectivement, avec maintenant, il y a des expos sur le survivalisme, il y a de plus en plus de magazines qui font le thème survie, même à la télé, on voit de plus en plus, on voit quelques émissions survie. Il y en a deux qui sont intéressants, il y en a deux, enfin, le problème c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de scénarios de la production de la chaîne qui le fait, bon, c'est toujours un petit peu, c'est hélas, mais en fait, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Donc, il y a c'est pas pour dénigrer un petit peu ce que je pense, c'est juste aussi de prendre du recul soi-même et de dire, Est-ce que ce que je suis en train de penser ou est-ce que je suis en train de faire n'est pas une mauvaise chose? Parce que vaut mieux prévenir que guérir. Même si ça n'arrive pas, c'est toujours mieux d'avoir
la réserve, d'avoir un petit peu plus de goût. Moi, je sais que j'ai vu pas mal de gens aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais durant cette canicule, il y avait des problèmes d'eau. Il y a eu des petits problèmes dans certains quartiers où les gens n'avaient plus d'eau pour se laver, ni pour boire. Donc voilà à quel point ça sert. Donc il y a, c'est pas seulement faire des réserves, c'est pas forcément pour une genre de la normalité, hein. Ça peut être une coupure de courant, une coupure d'eau pendant un ou deux jours. Voilà, hein. Ça peut être juste des problèmes comme ça. Mais enfin, quand je vois ces vidéos, ces machins, des fois je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un peu de cachotterie derrière. Est-ce que parce que maintenant aujourd'hui voilà les expos sur le survivalisme ça devient un peu plus virulent. Après le survivalisme hein, mais aux États-Unis là j'ai vu que il y a carrément des constructeurs qui sont appelés pour faire des bunkers. Les Américains sont quand même très dans le truc. Après ça vient de chez eux aussi hein. Dans les années 50, je crois que ça a commencé, ou 60, 50, je crois. Et il faut voir les bunkers qu'ils font, hein. C'est pas des bunkers où il y a juste une pièce, non. Il y a des bunkers où il y a le jacuzzi, la salle de billard, même une serre pour pouvoir faire agir. Donc les Américains, ils y croient vraiment. Après, effectivement, il faut aussi voir la situation, c'est que. Ils ont souvent des séismes, des tornades, des machins. Donc c'est vrai que nous en France, on a un peu cette chance de ne pas être forcément dedans. Mais enfin, avec une canicule, en général en France, on a une canicule et puis une semaine après, on a des orages assez violents. Donc il y a aussi un phénomène de climat qui joue en défaveur. Mais dans le fond, le truc, est-ce que, avec tout ce phénomène de mode, encore une fois, hein, magazine, expo, survivaliste, est-ce que ça dénigre pas un petit peu en lui-même? Est-ce que ça se tire pas une balle dans le pied soi-même? Enfin, dans le truc, parce que j'ai beaucoup de réflexions sur. Alors, je ne mets pas du tout en cause la survie, l'effondrement économique. Voilà. C'est juste qu'aussi, je vous invite par rapport à cette vidéo, aussi de réfléchir par vous-même et pas seulement c'est ce que je disais dans la vidéo sur les jours plus de connaissances, de pas seulement prendre une info pour acquis. Essayer de faire plusieurs recherches sur le même thème, que ce soit pour tout et n'importe quoi. Et voilà, il faut aussi se remettre parfois en question pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir se dire, bon voilà, bon, ça ok. Ok, bon, ok, on va voir, on va aller un peu plus loin, on va creuser le truc. Parce que depuis que je suis depuis que je suis prévoyant, voilà, on va dire ça comme ça, il est vrai que des fois quand je rentre, je me dis, oh, j'aime regarder un film, histoire de me détendre, et en fait, j'y arrive même pas, en fait. Je suis constamment en train de regarder ou lire des trucs sur le survivalisme, sur l'effondrement en général, enfin. Permaculture, effondrement, survivalisme, savoir faire du feu, du craft, tout ça, pour moi c'est le même domaine. Hein. Ça peut être vague. Je prends Pierrot par exemple qui est connu hein, dans mon survivalisme, c'est un peu lui qui a le même truc, on va dire. Hein. Il y en a eu des gens avant, mais voilà, il est très connu et ses livres sont très intéressants. Et puis c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à trouver le reste de ses bouquins. Mais on prend Pierrot et on prend Mike Horn, par exemple, c'est tous deux des personnages qui font la survie. Mais Mike Horn, lui, il va plus dans la prise de risque et mettre en pratique ses connaissances dans la survie et dans son mental. Et Pierrot, lui, il va éviter, alors, c'est dans la préparation, éviter de se mettre en danger. Et donc, par exemple, la survie, il y a plusieurs formes. Hein. Il n'y en a pas qu'une. Même aujourd'hui, moi, j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, pour la plupart des gens, on est déjà en train de survivre. Hein.
quand vous avez un loyer à payer, mes charges, mes taxes, on fait payer, des fois, la fin du mois, c'est rue 2 ou 3. Même pour moi qui gagne assez bien ma vie, j'ai pas mal de trucs à payer et j'en ai marre, vraiment j'en ai marre. Et donc, c'est ce qui me pousse aussi à aller vers l'autonomie. Et de toute façon, c'est quelque chose qui nous ramène à ce qu'on est en fait. On est des humains, on est, je vais pas dire des animaux. Enfin, il y en a certains, mais ce que je veux dire, c'est que on doit retrouver on doit retourner dans la nature, on doit retourner au vrai sens de la vie. Et donc, en gros, est-ce que l'effondrement, est-ce que le domaine de la survie, c'est pas quelque chose qui est un complot comme les plateaux qui croient la terre les plates, ou est-ce que c'est pas simplement une lubie de plein de monde? Alors, moi, c'est un peu ma réflexion. Pourquoi j'ai cette réflexion? Parce que ça va m'aider à me dire, ok, bon, alors là, je vois les choses et je remets ça en question justement pour trouver la vraie information pour dénicher le truc qui va me dire, ouais, effectivement. Alors, tout simplement, je veux aussi vous faire comprendre par cette vidéo, c'est de réfléchir par vous-même. Parce qu'aujourd'hui, il y a un phénomène. C'est surtout les fake news. On est bombardé de fake news et ça nous empoisonne aussi. Notamment sur les grandes chaînes de télé, mais pas que. Mais pas que. Sur les réseaux sociaux et même sur YouTube, hein, il y a plein de conneries aussi. Mais voilà, réfléchir par soi-même, ce qui me semble assez juste. Et puis après, il est vrai que pour moi qui. Alors, je dénigre pas du tout ma croyance envers l'effondrement économique. C'est pas ça que je remets en cause. C'est un petit peu ce que je vois autour, en fait. C'est un petit peu les salons, les expos, tout ça. Ça devient un peu comme les hipsters, avec les produits à barbe, les vegans, tout ça. Donc, j'ai peur un peu de... Peur, non, c'est pas le bon mot, mais. Voilà, est-ce qu'on prend pas une mauvaise image du survivalisme? Pour un peu vous éclairer sur ce que je dis, c'est que j'ai vu une vidéo où en fait le mec il se prépare à tout et il a plein de scénarios catastrophes. Et il dort avec son sac d'évacuation à côté de son lit. Il espère avoir une pandémie. Alors c'est vrai que pour certains, ça ferait du bien. Ça ferait du bien d'écarter certains cons. Mais il espère une pandémie. Il est vraiment très dans le truc. Et est-ce que ça ne donne pas aussi une mauvaise image du gars prévoyant qui fait ses réserves de bouffe, de flotte, qui économise un peu sur l'électricité, enfin les démarches que moi je fais par exemple. Il faut pas tomber dans le truc en fait, il faut pas tomber dans la mauvaise chose. Après, moi j'ai cette réflexion-là, pourquoi? Parce que je me remets souvent en question, je me remets en cause, je cherche à comprendre certaines choses. Comme vous dit si bien Mike Horn, c'est pas en voyant le serpent derrière l'arbre, hein, au moment où vous voyez que le danger est là, il faut essayer de voir à travers l'arbre pour voir le réel danger. Ce qu'il y a, c'est que on est tellement habitué à aller dans un confort qui nous tue que les dangers, on les voit plus venir, ils viennent directement frapper à notre porte. Je parle de danger, ça peut être un problème financier. Voilà, il y a plein de choses. Mais je me demande quand même si ça ne devient pas trop un phénomène de mode et que on est en train de se faire passer pour des complotistes.
C'est un peu la réflexion, et puis il faut avoir de temps en temps une réflexion à soi-même et un petit peu de recul, un petit peu de. Je suis pas en train de dire que je vais fermer la chaîne, j'y crois plus, hein, c'est pas ça. Il faut aller chercher un peu plus loin dans le truc, c'est que. Avec tout ce que je veux document, avec tout ce que je cherche, avec tout ce que je reçois et j'accumule en information, faut faire un peu gaffe. Notamment sur un objet, un gadget, mais ça aussi, ça, c'est pas que ça m'exaspère, mais maintenant il commence à faire des trucs un petit peu surconfort, parce qu'au final, le survivaliste, ça va être quelqu'un qui va apprendre à sortir de sa zone de confort pour pouvoir être plus endurant et plus patient en cas de coup dur. Mais inventer un réchaud. Pour faire du feu et il transforme la chaleur en énergie pour pouvoir recharger ses batteries de téléphone ou autre, ça va à l'encontre du truc. Alors bien sûr, c'est bien d'avoir de l'électricité, mais moi j'ai acheté un petit panneau solaire où vous branchez une batterie externe, mais ça marche très bien et c'est moins encombrant. Alors, je part peut-être trop dans le délire où il faut plus rien avoir, machin, mais pour moi, en fait, le survivalisme est aussi lié au paganisme. Je vous ferai une vidéo sur le paganisme et sur les origines de la survie et de la permaculture. Ça fait un moment que je veux faire la vidéo, mais c'est vrai que je tarde un peu. Donc, voilà, il y a des choses qui des fois m'interpellent et puis je veux partager avec vous parce que je pense que c'est important dans le sens où je vais être le plus honnête au maximum avec vous. Donc faire de la préparation c'est bien mais aussi de se remettre en question, de chercher les infos par soi-même et pas forcément de croire à un mec avec une casquette militaire, un t-shirt militaire, barbu et roux comme tout, que il faut absolument m'en croire. C'est juste que il faut aujourd'hui on a des outils bon, Internet, Google et ces conneries qui peuvent nous aider. Donc il faut l'utiliser au maximum. Voilà, alors bien sûr on peut toujours avoir des idées qui nous traversent et puis normalement on se dit oh, c'est une connerie en fait. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, faut pas tomber dans la paranoïa. Se préparer, c'est bien, mais après, faut pas tomber dans un truc absolument total, quoi. Après, c'est sûr que le jour où ça crache vraiment, où il y a le bordel, on n'aura pas l'armée qui vient nous sauver, on sera pas dans les films américains où il y a les super-héros qui viennent nous sauver. Non, c'est sûr, ça sera pour. Ça sera chacun pour sa gueule. Et on voit très bien dans les séries fiction, notamment dans Walking Dead, où c'est très bien dit, j'ai entendu ça, où effectivement, au bout d'un moment, la série, les zombies, c'est juste un meuble. On voit l'être humain s'entretuer pour pouvoir manger, pour pouvoir boire, et c'est exactement ce qui se passera le jour où ça crache, le jour où il y a le bordel. Donc effectivement, il y aura aussi à s'entourer les bonnes personnes et les gens qui sont avec vous, pour vous, et puis faire une communauté. Donc voilà. Mais ne pas tomber dans le vice, dans l'iceberg caché derrière le train. L'expression qui ne veut rien dire, mais enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Je vais juste. Voilà, ça fait 19 minutes. Bon, ben, voilà. Ce que j'avais à dire, c'est, voilà, par rapport à ce que je vois, et je voulais partager avec vous cette chose-là, parce que je vais être honnête, et parce que, voilà, je veux vous dire les choses comme elles sont. Mais hein, je crois toujours qu'il y a quelque chose qui va arriver. Après, je ne suis pas devin, et. Est-ce que des fois, un survivaliste n'aurait-il pas envie de voir le monde plonger dans le chaos? Ça, c'est la question que je vous pose. Répondez-moi si vous aussi, dans votre préparation, c'est parce que dans votre tête, vous n'avez pas un fantasme de chaos. Répondez-moi en commentaire. Moi, je vous dis bonne préparation. Ciao, les amis.
À la prochaine. Et dans la vie, il n'y a jamais de problème. Il n'y a que des solutions. Ciao, les amis.